Salut les apnéistes, vous êtes prêts? Celle-là, ça va vous plaire. Alors, on est sur le circuit entraînement apnée du 21 avril 2020. On a bien entendu pour commencer une cohérence cardiaque de 5 minutes suivie d'une salutation au soleil A. D'accord? Je vous rappelle, salutation au soleil A tous les matins et cohérence cardiaque 3 fois par jour, tous les jours. Comme je l'ai expliqué au circuit PPG, on n'est pas en Calédonie ici. Ici, on se confine, c'est 8 semaines minimum. On bosse 24-24. Ce n'est pas 3 semaines, puis je retourne à la plage, bouffer des bougnas, aller ramasser les petits bénitiers. Là, non, ça n'existe pas. Ok? Travail et oxygénation pour les apnéistes aujourd'hui. On est sur le même type de travail qu'hier. Une apnée statique de 60 secondes. Et ensuite, on va passer sur du jumping rope en 200 répétitions aérobiques. Donc, je fais mon apnée statique, je bloque mon apnée et ensuite jumping rope 200 aéros. Donc, quand j'ai fait mes 60 secondes d'apnée statique, je passe en jumping rope. Allez, j'en ai 200 à faire. Donc, vous comptez soit les deux pieds, soit un pied puis l'autre. D'accord? Si vous avez une vraie corde à sauter, c'est mieux. Voilà. Au bout de 200, quand c'est fait, vous passez au lateral jump. Vous vous souvenez des lateral jump? Allez, et là vous mettez du rythme. Il y en a 200 à faire. 200 en aéro. Donc je m'en tire. Bien dynamique. Bien dynamique. Attention aux chevilles, aux genoux quand même. Alors vous pouvez jouer comme hier sur une amplitude un peu plus importante avec une fréquence moins importante à partir du moment où vous appuyez. Mais l'idée, c'est de faire monter le cœur. C'est du cardio. Donc on y va. Allez, on enchaîne. Quand c'est fait, vous repartez sur une apnée statique de 60 secondes. Vous tenez, vous tenez, vous tenez. Si vous n'arrivez pas à la tenir, pas grave. Vous tenez tant que vous pouvez, puis vous soufflez, vous reprenez de l'air et vous tenez, vous tenez, vous tenez. L'idée, c'est d'arriver à ne pas craquer. Vous craquez peut-être une fois, voire deux maximum. Mais bon, c'est pas là, on n'enchaîne pas des apnées de 15 secondes. Quand c'est fait, après votre deuxième apnée statique de 60 secondes, vous passez au butt kicks. En aérobie, vous vous souvenez, butt kicks, ce qui est important, c'est de bien garder les cuisses droites et de faire monter que les jambes derrière. On en a 200 à faire. D'accord? Quand on a fait les 200, on passe à 200 à demi. Ce que vous vouliez faire justement, ça vous gratter et passer malin. Alors enchaîner les deux, c'est chaud. Ok? Et bien sûr, derrière, au bout de 200, on bloque une apnée statique de 60 secondes. On tient, on tient, on tient, on tient. Le chat est là. Plus rien ne peut nous arriver maintenant. Allez, on tient. 60 secondes d'apnée statique. On récupère 120 secondes, 2 minutes. Et on fait le circuit. Une deuxième fois, puis une troisième fois. Tu vas la prendre. Ok. On souffle, on récupère. C'est dur, je sais. Mais bon, en même temps, pour ceux qui veulent descendre en grande profondeur, aller loin dans la piscine ou rester longtemps, faut bosser, il n'y a pas de secret. Ensuite, on passe à l'exercice de musculation particulier, très particulier aujourd'hui. On a un exercice apnée suivi d'un exercice aérobie. C'est le même, il faut l'enchaîner. Par contre, sur les leg extension par exemple, on va partir sur leg extension, on en a 10 à faire en apnée sur une jambe, 10 à faire sur l'autre jambe en apnée et ensuite enchaîner en aérobie. Donc je fais 10 droite, 10 gauche en apnée, 10 droite, 10 gauche en respirant. Ça donne ça. Alors je vous montre le mouvement. Ce qui est important, c'est la pointe de pied bien tendue. Ne montez pas la jambe, c'est une erreur. Vous allez forcer sur vos lombaires et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, je suis en apnée là. J'en fais 10 à droite. Je tiens mon apnée. Quand j'en ai fait 10, j'enchaîne 10 à gauche sur la même apnée. D'accord? Faites-les bien, jouez le jeu. Il va falloir tenir le temps, mais l'exercice doit être bien fait. Et ensuite, quand c'est fait, vous vous mettez à ventiler et vous enchaînez 10 et 10, droite et gauche. Quand c'est fait, vous passez au push-up diamonds. Donc, pareil,
10 en apnée, 10 en respirant. Soit vous les faites classiques, bien verrouillés comme ça, et vous en faites 10, pardon, ils ne sont pas diamond, voilà, vous en faites 10 en apnée comme ça, puis après 10, soit pour quelque raison que ce soit, c'est un peu dur, les épaules, vous avez mal, c'est trop lourd, à ce moment-là, vous gardez les genoux au sol, vous venez ici et vous enchaînez 10 en apnée d'abord, et quand c'est fait, vous enchaînez 10 en aérobie. Quand c'est terminé, on passe à la planche, la sempiternelle planche. Donc je viens ici verrouiller ma planche, bien droite, vérifiez que vous êtes bien droit. À partir de là, vous rentrez la tête et vous roulez les épaules. On va tenir 30 secondes en apnée, et quand on a passé les 30 secondes, on enchaîne sur 30 secondes aérobie. Mais on ne lâche pas la planche, c'est une minute de planche en réalité. Hein. Sauf qu'on se met à respirer au bout de la 30e seconde jusqu'à la 60e seconde. Quand c'est fait, on passe au baby squat. Vous n'avez pas encore fait ça, je crois. Donc baby squat, je prends mon apnée, je descends et là je vais faire 10 baby squats en apnée. Hein, je tiens 10. Et quand j'en ai fait 10 en apnée, je souffle et je continue encore 10 en respirant. Mais par contre, je ne coupe pas. Hein. Je ne coupe pas mon apnée. Pardon. Je n'arrête pas mon exercice, excusez-moi. Ne faites pas 20 baby squats en apnée. Ce n'est pas l'exercice, même si vous êtes à l'aise. C'est 10 en apnée, 10 en respirant, 20 en tout. Ok? Et on termine sur... Arrête de faire ça. Faire la gueule, il y a du monde qui nous regarde. Fais le chat éduqué, quoi. Tu vois, genre, tu poses, tu regardes, t'écoutes. Genre, je dis des choses intéressantes, tu vois. J'ai l'air un peu sérieux. Voilà, il faut qu'on me prenne un peu au sérieux, moi. Ça fait des années, les gens ne me prennent pas au sérieux. Tout ce travail, là, tous les matins... Je peux pas arriver là et me foutre ça en l'air, comme ça. C'est un travail de tous les jours, Kono. Tous les jours. Du matin au soir, du soir au matin, j'en rêve, je mange, la préparation physique, j'ai perdu 30 kilos. C'est un travail. Tu ne peux pas venir comme ça me bouffer ma séance. Tu me respectes. D'accord? Le respect, c'est l'égalité. Merci. Tu me respectes, je te respecte, on se respecte. Très bien. Donc, sinon, vous enchaînez sur le swimmer. Dans cette position, très bien, je vous rappelle, je verrouille ici. Ouais, merci. Je verrouille ici, au niveau des lombaires. Je tends les pointes de pied. Je suis bien positionné. Je rentre la tête. Attention, la tête, elle est vers le bas. On ne regarde pas devant. On n'a pas la tête en hyperextension. Et là, je vais verrouiller mes omoplates. Et faire comme si, par exemple... Mec, excusez-moi. T'as pété? Mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas venir péter devant moi. Il y a du monde. Ça se fait pas, Kono. Attendez, je vais mettre en apnée. Alors, je me positionne comme ça. Je verrouille, comme je vous l'expliquais. Je me mets en apnée et là, je vais faire des exercices de brasse. Je vais aller chercher devant. Du papillon aussi, si je veux. Ce qui est important, c'est de garder bien... De bien garder, pardon, les omoplates au contact. Et voilà, on travaille comme ça. Pendant 30 secondes. Et quand c'est fait, on reprend le souffle. Et on continue encore 30 secondes. Bien verrouillé, bien détendu. Ok? Et ça dure donc une minute en tout. 30 secondes en apnée, 30 secondes en respirant. J'enchaîne cet exercice. 3 fois sans récupération. Pas cet exercice, mais toute la série de musculation. Je vous remercie pour votre attention. Merci Kono d'avoir participé avec nous. C'est vraiment sympa. Je vous donne rendez-vous ce soir pour le débriefing et pour vous présenter la séance de demain et surtout le guest de demain. Très très bonne journée d'entraînement.